voici Blinky Bill, Nutsy et Flap et tous leurs amis. Ce sont des animaux du cirque heureux de leur nouvelle vie. Blinky n'arrête pas de voyager car c'est un petit futé et il veut trouver à chaque animal un nouveau foyer. Mais les gens du cirque ont d'autres projets. Ils veulent faire une tournée. Ils poursuivent Blinky partout pour le récupérer. Peu importe où il se trouve, il y a toujours des dangers. Mais Blinky a plus d'un tour dans son sac pour les éviter. Hey hey Blinky Bill, pour l'attraper il faut te bouger. Malicieux et facétieux, voici Blinky Bill. Hey hey Blinky Bill, notre petit ami d'Australie, avec toi la vie nous sourit. Vas-y Blinky Bill. C'est à toi Blinky. J'ai acheté un souvenir. Je suis pressée comme tout de la montrer à tous nos camarades de classe. Oui, mais pour ça, nous devons d'abord rentrer en Australie. Et on ne partira pas si on s'arrête dans toutes les boutiques de souvenirs. On peut bien faire quelques petits achats, non? Blinky! Oh, des petits achats, ça? Quelqu'un peut venir m'aider, s'il vous plaît? Oh, désolé. Tu vois, plus on traîne à Paris, plus on risque d'avoir des ennuis. Et en plus, les frères Circus sont toujours à nos trousses. Allez, venez! Dépêchons-nous de gonfler le ballon et de filer d'ici. Non, il ne faut pas que les frères Circus nous voient, sinon ils nous arrêteront. On va d'abord s'éloigner de Paris et après on pourra s'envoler. Non, nous allons nous envoler tout de suite. Mais avant, on va prendre une dernière photo de nous à Paris. Oh, mon appareil photo, je l'ai laissé au magasin. Je reviens tout de suite. Oh, à ce train-là, on n'est pas prêt de retourner en Australie. Regarde, c'est l'Opéra de Sydney. Je t'y emmènerai quand on rentrera en Australie. C'est promis, nounours. Mais ce n'est pas encore fait. Je voudrais tellement quitter Paris maintenant. Mais pour l'amour du ciel, arrête un peu de traîner et aide-moi à retrouver Blinky Bill. Enfin, où t'as encore été déniché ce scooter? Je l'ai emprunté. Mais j'ai bien peur que son propriétaire ne le réclame. Alors, vite. Oui. On peut rentrer à la maison maintenant? Qu'est-ce que tu viens de dire? Nounours et moi, on commence à être fatigués de faire la chasse aux koalas. Ça fait des mois qu'on a quitté l'Australie et on a le mal du pays. Maintenant, on veut rentrer chez nous. Personne ne rentrera avant qu'on ait attrapé Blinky Bill et fait de lui la vedette de notre nouveau cirque. Allez, hop, un! Il va sûrement essayer de s'enfuir en ballon. Et pour le repérer, nous allons nous poster à l'endroit le plus élevé de Paris, au sommet de la Tour Eiffel. J'ai acheté des escargots de Bourgogne pour Martia, du pain pour ma maman et aussi du bon fromage et des boomerangs français pour Mumbo. Des boomerangs français? Oui, ici, on appelle ça des croissants. C'est délicieux. Tu en veux? Non, merci. Je préfère mes bonnes vieilles feuilles d'eucalyptus australien. Oh, elles sont complètement pourries. Oh, ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé. Tant pis, Nutsy n'aura qu'à dire ce qu'elle voudra. Plus tôt on rentrera en Australie, mieux ça vaudra. Je l'ai retrouvé. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas partir sans mon appareil photo. Il y a... Mais enfin, qu'est-ce que t'es en train de faire? Blinky veut gonfler le ballon. Oh non, pas ici! Les frères Circus vont nous voir, c'est trop risqué! Pas plus que de traîner à Paris! Oh, mais attends! Réfléchis une petite minute! Trop tard! On a déjà largué les amarres! Oh, je n'aime pas ça du tout! Regarde le bon côté des choses! Dans une minute,
tu pourras faire une belle photo de Paris vue du ciel. Hein? Oh, regarde un peu cette queue pour l'ascenseur. Nous n'y arriverons jamais. Non. Qui aurait pensé que la Tour Eiffel était si populaire? Nous n'avons plus qu'une solution. Les escaliers. Allez, suis-moi. Oh, oh. C'est quand même bizarre que tu aies eu mal à la jambe d'un seul coup. Ah, c'est ma vieille blessure, tu sais bien. Elle se réveille toujours de façon inattendue. Maintenant, arrête de geindre et monte. Nous sommes presque arrivés. Oh, quel merveilleux voyage nous avons fait, tu ne trouves pas? Non seulement merveilleux, mais quelle réussite! On a ramené tous les animaux chez eux. Et maintenant, c'est notre tour. Dans quelques jours, à nous l'Australie! Youpi! Oh. Un vrai délice, ces petits souvenirs. Quoi? Ne me dis pas que tu as tout mangé. Mais si, pour alléger un peu le ballon. Oh, Flap! Et les petits moineaux raffolent des miettes. Et toi qui ne voulais pas qu'on utilise le ballon pour survoler Paris, oh, tu vois, que veux-tu qu'il puisse nous arriver maintenant? Eh bien, on pourrait foncer dans cette chose. Ah, oh, oh. Ah, oh, on va aller s'écraser contre la Tour Eiffel. Ah, je ne peux pas continuer à monter. Allez debout, espèce de paresseux. Nounours adoré, comment ça va? Nounours, bah où t'es? J'ai perdu mon nounours! Ton nounours peut très bien se débrouiller seul! Tu crois? Non! Oh, c'est un ours très indépendant! Oui, eh bien pour le moment, nous devons retrouver la roulotte! Tu crois qu'elle va tomber du ciel, peut-être? Ça se pourrait! Oh, voilà une qui arrive! Non! Mmh. Oh, oh! Vite! Dépêchons-nous de monter sur la plateforme! Allez! Oh, 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 oh. Regarde la roulotte. Maintenant je le tiens. Allez, encore un effort les amis. On ne pourra jamais y arriver. T'es pris pour Superman, hein? Tais-toi et remonte-moi! J'ai bien cru qu'on allait finir tous les trois en brossette au sommet de la Tour Eiffel. Ah oui, et tu n'es pas le seul. J'étais sûre qu'on allait s'en sortir. Hein? Maintenant, c'est comme si on était chez nous. Un, deux, trois! Je ne connaissais pas ma force. Vite, nous allons suivre le ballon en scooter. Allez, vite, dépêchons-nous. Prochain arrêt, le village de la forêt. Vite, on remonte sur la plateforme. J'ai l'impression qu'on n'est pas au village. Essaie de voir le bon côté des choses. Il n'y a pas de blessés. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire, hein? Hein? Le voilà. Cette fois, je le tiens. Ça commence à bien faire, Basile. Plus qu'à un fil. Si le ballon se déchire, on va s'écraser au sol. Ne t'inquiète pas. Ce ballon a fait le tour du monde. Il n'y a aucune chance pour que... Abandonnez le navire. Allez, hop. Fais-moi remonter, bougre d'imbécile.
Allez, vite, on redescend. Je parie que c'est encore un coup publicitaire. Oublie. Maintenant, on ne pourra plus rentrer chez nous. On va rester ici pour toujours. Oh là là, quel malheur. C'est un vrai désastre. Les voilà. Allez, vite, poursuivons-les. Et ce n'est pas fini, j'ai l'impression. Venez, partons d'ici. Allez, plus vite. Regardez, là, sur le scooter, cet ours en peluche, on dirait celui des frères Circus. Oh non, on ne sera jamais assez rapide. Les deux frères non plus. Allez, venez. Oh non, attends. Attrape. Viens, nounours, assieds-toi là. Tu sais conduire un scooter? Ça ne doit pas être bien sorcier. Tu t'es fait mal. Les voilà. Attrape-les. Allez. C'est quelque chose, Mickey. Mon nounours. Oh, t'étais là. Allez, monte, Flap. Laisse tomber cet animal en peluche et rattrape les vrais. Allez. Pas par là. Pourquoi? Il y a des escaliers. Ouvre bien l'œil, surtout. Il ne doit pas être loin. Il n'y a rien ici, à part une benne à ordures. Comment on va faire pour rentrer? Le ballon est en miettes et le scooter est en mille morceaux. Et les frères Circus ne sont qu'à deux pas là-dehors. Et à destination de l'aéroport Charles de Gaulle. Génial. On va prendre le train pour l'aéroport. Allez, vite. Les voilà. Laisse-moi passer. En voiture. On va les rattraper avant qu'ils embarquent pour l'Australie. Oh, le prochain vol pour l'Australie devrait partir de la porte numéro 6. Nous y voilà, la compagnie Koala. Oui, madame, embarquement pour Sydney. C'est l'heure d'embarquer. Quoi? Non, reviens ici tout de suite. Les humains vont nous mettre en cage s'ils nous voient. Oh, mais alors comment allons-nous faire? Il va falloir qu'on voyage clandestinement. J'ai réussi à tout caser dans mon bagage à main. C'est très commode, madame. C'est celui-ci? Oh oui, ma chère. J'ai peur que vous n'ayez dépassé le poids autorisé, même de loin. Oh, mais ce n'est pas possible. Il y a seulement quelques vêtements. Oh, bonté divine. Arrête. Revenez. Dernier appel pour la compagnie Koala à destination de Sydney. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Il faut trouver un autre moyen de monter à bord. Attendez-moi, pendant que je cherche. Messieurs Abbott et Costello, votre avion de la compagnie anonyme est prêt à... Je donnerais n'importe quoi pour rentrer en Australie. Je donnerais n'importe quoi pour rentrer en Australie. Mais je reconnais cette voix. Je te l'ai déjà dit, nous ne partirons qu'après avoir pris Blinky Bill. Ensuite, on rentrera chez nous.
Dès que j'aurai mis la main sur ce petit coca de koala, on sautera dans le premier avion et on rentrera chez nous. Ah, t'as entendu ça, nounours? Mais oui, c'est ça. Je sais comment embarquer dans le prochain vol pour l'Australie. Comment? Comment? Venez, suivez-moi. Monsieur Circus? Ouais. Oh! Ça y est, c'est décidé. Nous voulons bien nous rendre. Quoi? Non, mais ça va pas. Je n'ai pas trop tôt. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Enfin, je te tiens. Bon, mais attends. Tu mens, c'est un piège. Ça doit sûrement être un coup monté. Ou c'est peut-être pour une émission de télé. Je vais passer à la télévision. Tu vas être célèbre, nounours. Il n'y a aucun piège. Vous voyez, vous les humains, vous êtes vraiment beaucoup trop malins pour nous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est vrai, ça? Mais oui, bien sûr. Vous auriez fini un jour ou l'autre par nous attraper. Vous êtes vraiment beaucoup plus intelligents et rusés que nous. On n'avait aucune chance. Alors, on préfère abandonner. Tu es vraiment sûre que c'est une bonne idée? C'est même une idée géniale, tu vas voir. Eh bien, en toute modestie, tu n'es pas le premier à être ébloui par mon génie. Je m'étonne seulement que ça t'ait pris si longtemps. Maintenant, Cyril, attrapons-les. Oh, vous avez enfin réussi à nous mettre la main dessus. Oui. Bon, alors voilà, tu vas m'emballer ce petit paquet pendant que je vais prendre nos billets d'avion. On rentre en Australie, on rentre en Australie, on rentre en Australie, on rentre en Australie. C'était le seul moyen pour être sûr d'embarquer dans cet avion. Mais nous sommes prisonniers. Tu nous as livrés au frère Circus. Et alors, on a déjà réussi à se libérer et on y arrivera cette fois encore, aussitôt que nous serons rentrés en Australie. J'espère que tu as raison. Mais j'ai toujours raison. Et maintenant, fermez les yeux et détendez-vous. Prochain arrêt, la maison. Ça y est, j'ai les billets. Allez, viens, en route. Mais le vol pour l'Australie, c'est par là? Petit changement de programme. Maintenant, nous partons pour la belle ville de New York. On va à New York? Bah, ce n'est pas en Australie. Mais non, imbécile, c'est la plus grande ville d'Amérique. Oh non! Tu vas adorer l'Amérique. On y gagne beaucoup d'argent, surtout avec une attraction comme Blinky Bill. Mais je veux aller en Australie. Mais je te promets qu'ensuite nous rentrerons en Australie. Mais pas tout de suite. Dans un an peut-être, ou dans 20 ans. Mais oui, on n'avait qu'à se rendre, on rentrait avec eux et on s'échappait. C'était un bon plan. Oh, tu devais savoir qu'il faut toujours se méfier des frères Circus. Mais ça m'avait semblé une très bonne idée à ce moment-là. Et maintenant, on est prisonniers dans une cage en acier et on part pour l'Amérique. Oui. Et puis cette satanée tour Eiffel, j'aurais préféré ne jamais la voir. C'est exactement ce qu'il nous faut. Pour crocheter la serrure, j'allais justement le faire. Oh vite, l'avion pour l'Amérique est juste devant nous. Oh, dépêche-toi, Nutsy. Oh, un peu de patience. Oh, j'y suis presque maintenant. Attends, laisse-moi essayer. Attention. Oh, ça, c'est le problème avec toi, Blinky Bill. Tu n'as vraiment rien dans la tête. Oh, maintenant, c'est fini. On ne rentrera plus jamais chez nous. Pardon, tout ça, c'est encore ma faute. Attendez, on peut se servir de ce morceau-là pour dévisser la porte. Tiens, vas-y, fais-le, toi. Allez, vas-y. Je ne suis pas assez adroit pour le faire. Tu sauras mieux t'y prendre. Oui. New York, ça ne se trouve pas en Australie. Mais tonton Basil a promis qu'on rentrerait bientôt chez nous. Tu n'as pas bientôt fini de chacasser. J'ai dit silence, s'il te plaît. J'ai besoin de calme pour pouvoir rêver à la gloire et à la fortune qui n'attendent plus que moi à New York. Et tu vas me baisser ce soir. Non, mais nounours veut regarder la vue. J'ai dit baisser. J'ai dit ouvert. Regarde, nounours, tu as vu tous ces gens? On dirait des koalas et des ornithorynques. Tu veux dire des fourmis? Si tu veux, ces fourmis ressemblent diablement à des koalas. Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi vite ce store. Mais tu viens de dire... Suis-moi. Vite, les amis, si on rate l'avion pour Sydney, on est perdu. Flap, Flap. Les frères Circus vont le prendre.
Montez dans l'avion. Non, pas sans toi, mon petit ornithorynque. Attends. Oh, tu sais conduire cet engin? Pas du tout, mais ce n'est pas ça qui va m'arriver. Dépêchez-vous. Prends-moi la main. Allez, saute. Vont le prendre eux aussi. Oh, on s'occupera de ça plus tard. C'est ça le problème avec toi, Naughty. Tu n'as vraiment pas de tête, ma peau. Qu'est-ce que tu dis? J'ai une bien meilleure idée. Accrochez-vous, les amis. Bien joué, Blinky. C'était pas mal du tout, n'est-ce pas? Maintenant, dernière étape, essayez d'entrer en douce dans la cabine. Oh, oui, je vais ouvrir la porte. Elle est verrouillée. On est prisonnier. Oh, voilà les frères Circus qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire? Un espèce de gros bébé. Non, mais arrête, attends. Basile, ils ne sont pas là? Oh, si, ils sont là, crois-moi. Et nous finirons bien par les trouver. Tu les as trouvés? Non, j'ai trouvé des bandes dessinées. Non, mais cherche, mes idiots. Je sais que tu es là, Blinky Bill. Il n'y a aucune issue pour toi. Et il n'y en a aucune pour vous non plus. Arrêtez-les. Vite, fuyons. Revenez ici. Je n'entends plus rien. Je crois qu'ils sont partis. La voie est libre. Absolument. Un petit rafraîchissement? Oh, avec plaisir. Alors, sur la compagnie Koala, les animaux voyagent gratuitement? Oui, et en première classe. Il suffit de le demander. Ah, dites, vous n'auriez pas des feuilles d'eucalyptus fraîches, par hasard? Voilà pour monsieur. Alors, regardez ces gens en bas, on dirait tout à fait... Des fourmis? Et non, Basile et Cyril. Tout ça, c'est ta faute, Cyril. Attachez vos ceintures pour le décollage. Prochain arrêt, l'Australie. Magnifique! Enfin! C'est vraiment extra!